Slimane en grosse galère, cette erreur de son équipe qui le met dans l'embarras. Alors qu'il passait dans sa maison disque, son équipe le laisse dans une grosse galère. En parallèle avec le duo qu'il a formé avec Vitaa, Slimane se focalise également sur sa carrière solo. Et justement, le chanteur travaille déjà depuis un bon moment sur son nouvel album. Mais récemment, son équipe l'a mis dans une galère monstre. Pourquoi ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Ne vous inquiétez pas, la rédaction d'Objeco va tout vous dire sur le sujet. Vous êtes prêts ? Slimane de retour en solo. Après plusieurs années de succès avec Vitaa, Slimane avait promis à ses fans qu'il allait faire son retour en solo. Eh bien, c'est chose faite. En effet, dans quelques jours maintenant, le 2 septembre plus exactement, le chanteur sortira son tout nouvel album. Point oui, pile pour la rentrée des classes, c'était peut-être voulu. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce nouveau projet devrait faire un carton. Sur la pochette, on peut voir le chanteur prendre la pose dans un champ de fleurs. Dans son dos, de grandes ailes d'ange, transpercées par des flèches, faisant ainsi référence à Cupidon. Oui, parce que son disque s'appellera tout simplement « Fermez les guillemets chroniques d'un C-U-P-I-D-O-N. » et ce personnage n'a pas été choisi au hasard. En effet, dans son nouvel album, Slimane a décidé d'aborder l'amour sous toutes ses formes. Le chanteur va offrir pas moins de 19 chansons pour la rentrée. Ce que l'on sait pour le moment, c'est qu'il y aura la recette, dont le clip a été dévoilé il y a peu. Une galère de taille pour le chanteur. Si Slimane est heureux de présenter son nouvel album, il a eu un petit coup de chaud. En effet, il y a quelques heures, il a fait part d'un petit problème auquel il se retrouve confronté. Sur son compte Instagram, il a filmé son passage dans sa maison disque Universal Music. L'objet de cette visite ? Dédicacer des exemplaires de son album. Mais lorsque sa directrice d'image est arrivée, le chanteur ne s'attendait pas à se retrouver face à des milliers de disques. La naissance de sa petite fille naît prématurément. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le chanteur est un véritable papa poule. Fermez les guillemets, j'ai peur de la perdre, depuis que je suis papa. J'ai compris le mot peur en ayant un enfant. Avant, je n'avais pas peur de la mort. Aujourd'hui, je me pose des questions. Je pense plus à elle qu'à moi.